Cher Tranduil, voici l'homme dont je voulais vous présenter. Il se nomme Bard, et il a tué le dragon. Et en plus, il est beau gosse, donc il est un parfait challenger pour vous. Pardon ? Un challenger ? Mais attendez, de quoi vous voulez parler ? Oh, je vois que vous n'avez pas voulu lui dire, Mithrandir. Voyez-vous, beau gosse, cela fait 2000 ans que Mithrandir cherche à m'enlever mon titre de maître du swag. Selon lui, parce que je n'ai plus mes lunettes, je ne mérite plus ce titre. Alors il cherche un champion. Et justement, c'est le cas. Il est temps pour vous, Tranduil, de passer la main. Et Bard est le candidat idéal. Il a tué un dragon. Il est beau gosse. Il porte une moustache. Mais il reste inférieur à ma beauté. Ça marche pas contre moi, ça. Votre splendeur est en déclin. L'absence de vos lunettes swag rend votre visage plus fragile. Votre titre ne permet même plus de soumettre qui que ce soit. Vous n'impressionnez plus personne. Vous êtes devenu un spin. Faites attention à vos mots, Mithrandir. Oh, mais j'en ai rien à foutre. Vous pouvez rien faire, je suis vieux. D'ailleurs, pourquoi assiéger Erebor? Ça fait de vous un maître connard et pas du tout un maître du swag. Vous ne respectez plus ce titre, Tranduil. Il est de mon devoir de vous l'enlever, par tous les moyens. Et le moyen, je vous le présente maintenant. Un défi. Battez Bard au concours de l'Eurovision. L'Eurovision n'existe pas dans notre monde, Mithrandir. Encore raté. Oh merde. Ben, au moins un karaoké, quoi. Je me répète, mais il n'en est pas question, Mithrandir. Dans notre univers, nous ne pouvons pas faire ça. Chut. Et puis c'est moi que vous affrontez, c'est à moi de choisir le défi. Et dans ces conditions, vous n'avez aucune chance de gagner quoi que ce soit. Plus qu'un maître, je suis le swag. Soldat Manchou, venez ici. Oui, sire. Votre mission est un sondage. Demandez aux spectateurs de répondre à la question « Qui a le plus de swag ?» À vos ordres. J'ai toujours aimé avoir le soutien du public. Si c'est un nouveau challenger que vous m'apportez là, Mithrandir, sachez que je suis un peu déçu, je m'attendais à quelque chose de la cour des grands. Oui, je vais faire en sorte de n'avoir rien entendu, d'accord? Parce que je ne suis pas là pour vous défier. Mais pour ceci. Le scénario. C'est l'Arkenstone, nous sommes de retour dans le scénario. Il me semblait bien qu'on était là pour quelque chose d'autre qu'un putain de défi. Mais je sais plus pourquoi. Qu'est-ce qu'on fout là? Vous êtes devant Erebor pour revendiquer quelques trésors. Ça va paraître idiot ce que je vais dire, mais... c'est plus important que le titre de maître du swag? Non, pensez-vous absolument pas. Le destin de la Terre du Milieu va se jouer maintenant. Mais qu'est-ce que vous foutez? On s'en fout du titre de maître du swag. Il y a un enjeu beaucoup plus important en ce moment. Mais rassurez-vous, je vous en veux pas, c'est à cause de Gandalf. Il prend toujours plaisir à foutre la merde dans le scénario. Mais tout n'est pas perdu. Je vous donne la possibilité de pouvoir revenir. Alors réglez ça à pierre feuille ciseaux et on n'en parle plus. Vous savez pas quel risque j'ai pris pour pouvoir vous délivrer cette pierre? Alors vous allez m'écouter, vous allez oublier cette histoire de maître du swag, et on va continuer, je vous en conjure, le scénario. Back when Q was rolling with Lorenzo and a Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the pens and pencils, got down to business. But sometimes the business end of this shit can turn your friends against you. But you was a real nigga, I could sense it in you. I still remember the window of the car that you went through. That's fucked up, but I'll never forget the shit we've been through. And I'ma do whatever it takes to convince you.